J'espère que vous, mon Bob vous plaît. On va embêter des pieds loués à Nard. Ça va l'autographe? Ah. Ça c'est magnifique. On est avec le boss des boss. Bon, il faut savoir qu'on a vraiment loué un domaine de fou, genre super grand, un domaine privé. Oh, mais la modération! Lui, c'est pas la modération, lui, c'est le clown de TikTok, lui. Mais c'est le cadre, regarde. C'est vrai qu'il fait beau, c'est vrai qu'on a quand même un beau domaine. Ça va, Chacal? La routine à Marseille, j'ai plaisir. Bah, à Limoges, ça doit changer un peu. Bon, Alexandre Caldi, comment allez-vous depuis le dernier vlog? Un peu dans le rush parce qu'il faut que je prépare mon sac, mais tout va bien. Tout va bien. On va l'embêter des pieds loués à Nard, vous allez voir. Bonjour, vous êtes pilote de F4, non? Je peux avoir un autographe? Ok. Allez, Péo, petite signature, s'il te plaît. C'est la pire signature que j'ai vue de ma vie. Bon, les gars, on est arrivé au circuit. Il fait déjà super chaud. On a récupéré, du coup, nos petites access Skybar. Toute la team vlog derrière, là. Bon les gars, il est quasiment l'heure de le début de la FP1. On a attendu, il y a les pistolets qui sont passés à l'écran, c'était grave cool. Mais là on va découvrir, comme disait Alex, la première fois qu'on voit les nouvelles F1 en vrai. Ça va être grave cool. J'espère que mon Bob vous plaît. Dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît parce que franchement, il est un peu cher. Mais c'est pas grave, il est beau. Du coup, on n'a pas trop fait grand chose. J'ai passé 1h20 à faire des photos avec vous, c'était trop cool, etc. Mais là, du coup, on va sûrement partir au karting. Faut qu'on retrouve Alex et Anna. Du coup, on est au karting. Je sais pas si on était déjà venu l'année dernière. Donc, on va faire une petite séance de kart. On attend des pieds, Anna et Alex. Mais qu'est-ce que. Hey, il est malade lui. Position, 19 tours, premier round 38, 455, Hydro. Ouais, pas dernier, c'est bon, let's go, on prend. Dépeyo. C'est son vrai nom ou c'est un pseudo? Non, c'est un pseudo, c'est un pseudo, ça. Et merde. Ça, c'est magnifique. Direction le circuit, les gars, let's go. Enfin, on a une navette. Oh, le vlogception. Bonjour. Pleine balle. Bon les gars, on est dans la Skybox, comme vous pouvez le voir, donc on est en face des stands et en fait c'est une petite tribune que le Grand Prix de France nous a gentiment invité. On peut voir, on est posé, on est à l'ombre, etc. Donc on va voir tout ce qui est procédure de départ, cérémonie, podium. On est, regardez les gars, regardez le podium. Et juste en face du podium. Ça va Alex? On prend l'exclamation off track dans la description. Qualif de F1, j'ai parié sur Charles Leclerc, donc ça va être à fond derrière Charles Leclerc. J'ai mis 200€ sur Charles Leclerc. Finger cross comme on dit. Bon les gars, on est dans la fan zone, fin de la FP3, Verstappen a tout cassé, il a l'air très très rapide, donc ça va être très compliqué à mon avis. Il y a une super bonne ambiance et il fait chaud et il fait beau. Bon les gars, la WC c'est fini, on a eu une course ultra sympa et maintenant c'est l'heure de la qualif. L'heure de la qualif, j'ai parié sur Charles Leclerc, je pense pas qu'il aura la pole, Max est plus rapide. C'est parti les gars, début de la qualif, let's go! Fin de la Q1 les gars, Gasly éliminé, catastrophe. Ocon P12 éliminé. Oh là 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 là, 8 millième pour l'instant entre Verstappen et Leclerc devant. Carlos va redonner la spi à Leclerc, c'est sûr. Leclerc en avance, let's go. Yes. Vamos. Mec, j'ai mis 200 balles sur Leclerc, crois-moi que j'y tiens. Oh non, Max, c'est en avance. Allez, elle arrive. Allez, Charles.
fait un jeu sur Twitter avec le Twitter d'Off-Track. En fait, j'ai un Bob Alpine édition Miami. Et on a fait un concours, on a dit le premier qui me trouve avec le Bob dans la main et qui utilise du coup le code secret remporte le Bob. On a trouvé notre vainqueur, il est là. Il est là, notre vainqueur du Bob. Donc le code Bob, bravo à toi. Ça c'est effrayant par contre. Les têtes des pilotes. Magnussen, il y a peut-être quelque chose, pardon c'est lui. Alors les autres. Oh Vettel, wesh. Oh là 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 là. David Beckman, deuxième voiture. Et on va aller au concert de Magic System, les gars, finir cette journée très fatigante, très très longue. On a fait notre petit tour de paddock, c'était bien sympathique, on a vu pas mal de monde, c'était cool. Et puis je pense que cette première journée va pas tarder à se finir. On va rentrer après le concert et se reposer un petit peu parce qu'on en a besoin. Et voilà, elle sera dans le vlog cette photo, let's go. Comment attirer l'attention de tout le Castellet. Salut à tous, c'est Napti et j'interromps ce vlog entre la qualif et la course pour vous rappeler quand même de vous abonner à la chaîne d'Hydro. Avec les My Team qui vont arriver, c'est très important d'activer votre cloche et aussi de lâcher votre meilleur pouce bleu et vos commentaires en dessous si vous avez des questions et si ce concept et cette vidéo vous aura plu. C'est le jour 3, celui où on s'en va. Non, c'est faux, bonjour à tous. Il est dimanche et dimanche c'est le jour du Seigneur et surtout jour de course. Direction le circuit. Hier on s'est barré après le concert de Magic System. J'avais plus de batterie, c'était dead. Et là on part au Grand Prix voir une course de voiture de Formule 1, donc c'est parti. Bon les gars, on est en place, la course de F2 devrait plus trop tarder, les voitures pour le temps de sortie, elles vont venir se poser sur la grille. Nous on est installé du coup comme d'habitude Skybar, merci d'ailleurs au Grand Prix de France qui nous a invités, qui nous a mis super bien ce week-end. Je pense que vu la position de Théo Pourchaire, on va avoir une très très belle course. P2 de Théo Pourchaire, victoire de Dams, et tu vois ça, Théo était trop loin, c'est dommage que ça reste un podium. Bon les gars, on se balade dans la fan zone. Il y a la course de Porsche Cup actuellement. Bon, c'est pas que voilà, mais du coup on en a profité. Parce qu'après c'est enchaînement, parade des pilotes, début de course, course de F1, etc. Donc on en profite un peu pour se balader. Et c'est pas Hydro? Oh putain, viens, je me pose avec toi. On est avec le boss des boss. On est avec Hydro. On retourne voir Anna et Alex à la tribune. Là, les préparatifs vont commencer. Dis-moi, Hydro. Dis-moi tout. Dans le vlog. Je peux faire une photo avec, avec toi pour un collègue. Bien sûr. Je reprends le vlog comme si de rien n'était. Et on va donc rester, je pense, toute la fin de journée au Skybar, histoire de profiter de cette course. Donc voilà, maintenant c'est l'heure de regarder la F1. La grille est en train d'être préparée. Il y a de la musique, il y a eu du Joule, il y a eu un petit peu de tout. On espère une bonne course pour Ferrari. Ça va être compliqué à mon avis aujourd'hui. D'ailleurs, fun fact, le monteur vous remontera à l'extrême. Mais quand je vous dis que j'avais parié 200 euros hier sur Charles Leclerc au qualif, qualif de F1, j'ai parié sur Charles Leclerc. Donc ça va être à fond derrière Charles Leclerc. J'ai mis 200 euros sur Charles Leclerc. C'était en course. En fait, j'ai pas gagné d'argent. J'ai toujours mes 200 euros en jeu. Il faut que Charles Leclerc gagne. J'ai trop le seum. Apparemment Leclerc a un problème sur le pont plat. Abattu, mais très très chaud. Il risque d'avoir des problèmes de fiabilité, je pense. Le départ, c'est le grand départ. Les pneus rapides, l'air est trop lent et les pneus vont pas tenir, c'est sûr. Max Verstappen au stand. Max est passé au stand. On va voir si Charles s'arrête aussi ou pas, ou alors peut-être le faire.
pas au stand. Aïe, 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 je sur la bande blanche, la voiture est partie en tête à queue et... Sainz vient de prendre 5 secondes de pena. Déclaré out. Ah bon, c'est un bon week-end. Oh non. Devant Hamilton et Russell, Pérez, très 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 mauvais Pérez, en vrai sur la gestion de course, très mauvais. Tant pis, Ferrari 5ème avec Carlos, abandon de Charles, c'est dommage. Il avait peut-être moyen de faire quelque chose parce que Red Bull avait perdu sur la fin du premier relais, donc il y avait peut-être moyen de tenir, mais bon. Continue, tant pis. Hein. 66 points de retard pour Charles maintenant, donc ça fait très très mal, mais bon. On va profiter du podium, finir cette journée un peu triste, et puis voilà. Hein. Bon les gars, week-end quasi fini en vrai, c'était un petit kiff. Bon, malgré les résultats de la course, c'est que tout le monde vient me voir en me disant je suis désolé pour ce qui s'est passé. Et puis là on se balade sur le circuit tranquillou. C'était un bon week-end, dites-le moi dans les commentaires. On va rejoindre les pistonnets, on va peut-être parler un petit peu F1 avec les pistonnets, ça va être cool. Donc je vais vous emmener, on va voir si on peut faire 2-3 plans ou pas. Ça va être en direct sur la live de la First Team si je dis pas de bêtises. Oh là là, oh, j'ai piqué la cam d'hydro, il va passer en plateau. C'est le moment de drift, j'espère que vous avez kiffé. Salut tout le monde, c'est Hydro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog avec cette caméra des enfers qui pèse une tonne. Alors c'est Instagram, mon nez. Moi j'avais lancé une rumeur. Hydro il a chié dans mon lit ce matin. A vous de valider cette rumeur. Raconte que des conneries comme d'habitude, Hydro il est pas marrant. Ça touche tout le monde la connerie, regardez Alexandre Caldi. J'ai entendu un petit truc. Hein, comment? Attends. Je ruine la carte SD de Hydro? Oui, totalement. Est-ce que je ruine sa batterie? Oui, totalement. Est-ce qu'il va pas pouvoir finir son vlog? Oui, totalement. The job is done. C'est une fin de vlog. J'espère que le vlog vous aura plu parce que moi, la course ne m'a pas plu. Du coup, bon, j'espère que le vlog vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'hab, un petit pouce bleu dans les commentaires, dans la bio, il y a tous les liens, etc. pour nous suivre. On se retrouvera du coup à Monza en septembre pour un prochain vlog avec Alex Caldi. On va rentrer tranquillement, il est 21h, on quitte le circuit. C'est une fin de tournage, c'est probablement une fin de Grand Prix de France avant très longtemps malheureusement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, gros bisous, ciao ciao, au revoir.